Ça, c'est Robert. Qui est allé chercher tes branches de pain et tes décorations de Noël, tes éternelles branches de pain. On était jeunes, hein? J'ai failli te tomber. Hein? Ça, c'est moi. C'est toi, ça. Ça, je devais avoir 16-17 ans à peu près. Oh, t'étais jeune, jeune. Mon maman est originaire de Louisville. Son père était notaire, qui venait d'un milieu assez quand même défavorisé, mais qui a fait ses classes, qui est allé à l'école et qui est devenu notaire de la place et qui a marié une Adrienne Caron, qui était une fille du même village que lui, mais qui venait d'une famille riche, plus bourgeoise que lui. Donc, c'était comme un rêve d'enfance pour lui de marier Adrienne. Mon Dieu, que ça me rappelle des souvenirs, ça. C'est en Martinique, ça, je pense, hein? Je le sais pas. Tu le sais pas? Ben, écoute, ça doit faire quoi? 50 ans, ça? Oui, peut-être. Ben, oui, presque 50 ans. Mon père est né en 1921. Et à l'époque, son père était déjà avocat. Et son père était maire du village. Alors, il était... Le grand-père Léon, c'était un homme de prestige. Il était organisateur politique, libéral. Il était avocat. Et maire du village. Alors, il y avait un certain prestige. En fait, tout le moins, il y avait la reconnaissance de ses concitoyens. Ça, c'est ton manteau rouge que t'as porté pendant peut-être 15 ou 20 ans. Ah. Tu l'avais toujours quand on sortait pour des randonnées à... Oui, parce qu'il était en cuir. Il était en cuir rouge. Ça, c'est Robert. Oui. Avec sa vieille calotte. Il fait. Tu voulais toujours faire un geste, là. Sa vieille calotte de... Ça, c'est moi. De cuir. Alors, mon père est né en 21, le premier enfant. Et à l'époque, le sacristain avait fait sonner les cloches d'une façon que le sacristain, qui était l'organisateur politique de mon grand-père. Et c'est très drôle parce que le sacristain avait fait sonner les cloches peut-être beaucoup plus que d'habitude. Et les Bleus avaient trouvé que c'était, encore une fois, c'était de la petite politique que de faire sonner les cloches doublement parce que l'enfant du maire libéral était né. Chez nous, on a toujours été élevés dans un climat de politique. Je ne dis pas que c'était la raison première de la famille pour vivre et pour penser, mais même à l'occasion des fêtes de famille, au jour de l'an, on parlait, puis on parle encore beaucoup de politique. On est très sensible à ça. Alors, Robert est un être taillé à la hache. Hein? C'est une force virile qui s'exprime beaucoup. C'est un verbomoteur. C'est un homme de parole. C'est un homme... qui s'extériorise beaucoup et qui a un très, très grand charisme. C'est un type qui déborde, qui est généreux de nature, qui aime les gens, qui aime les êtres, qui a le contact facile. Ça serait plutôt comme ça que je le classerais dans ce type d'homme, un homme d'action, un homme qui aime le mouvement, qui aime la vie. Madeleine était Lyon. Robert était Bélier. Alors, vous voyez le contraste. Alors, ça pouvait faire des étincelles, hein, et ça faisait des étincelles. Ah, à qui ce dos-là? C'est à toi. À toi, papa filmait ton dos. Là, il y avait des... Des sous-entendus, là. C'est le mâle qui refaisait surface. Le mâle qui filme. C'est le mâle qui refait surface, là. En quel âge que j'avais à ce moment-là? T'avais 30 ans? T'avais 20 ans? 40 ans. Là, on est rendu au cuisses. Oh, là, j'avais pas 40 ans. T'avais 40 ans. Et Madeleine est plus en nuance. Madeleine n'est pas quelqu'un qui s'extériorise aussi bruyamment que
que Robert, mais c'est la personne des contacts intimes, des contacts privilégiés. Alors, mes parents sont mariés le 21 septembre 1944 à Louisville. Mon père venait d'être enrôlé dans la marine royale. Mais pourtant, vous avez été dans la marine. Oui, pourquoi êtes-vous allé dans la marine? Parce que j'avais pas le choix, M. Séguin. J'étais comme bien d'autres, même si la conscription n'existait pas dans le Québec. J'étais conscrit quand même. Alors, je me suis enrôlé comme tout le monde après mon droit en 1944. J'avais été mis à part du Ciotti ici, d'ailleurs. Je ne pouvais pas m'enrôler dans l'armée. Pourquoi? Indiscipline générale. On avait déroulé à un moment donné un Union Jack, une salle où on faisait les exercices militaires. Et à un moment donné, un « ouh » formidable s'était fait entendre. Alors, le colonel Légaré ne m'aimait pas. J'étais plus grand que les autres. Cliche, vous allez aller dans les training centers. Ça veut dire que j'étais à Port du Ciotti ici, alors je me suis raccroché après la marine. Alors, mon père a été enrôlé dans la marine. En début 1944, il a marié ma mère en septembre 1944. Et là, ma mère est allée vivre pendant presque un an à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse. Mon père est revenu pratiquer, ouvrir son bureau en septembre 1945. C'était la guerre venait de terminer. Mon père a décidé de revenir en Beauce. À l'époque, les cliches à Saint-Joseph étaient tout puissants. Il y avait le médecin, le pharmacien, le maître de poste. Les oncles de mon père occupaient à peu près tous les postes importants à Saint-Joseph. Alors, Madeleine a été bien reçue parce qu'elle était une personne adorable et aussi parce qu'elle était la femme de Robert Clich. Et Madeleine me disait, j'ai été des années considérée comme une rapportée de paroisse. Alors, elle a été sous observation, mais elle a rapidement conquis l'estime des gens parce qu'elle était très liante et très écoutante. Les écrivains sont des écoutants. Ce sont des gens qui sont toujours curieux de la nature humaine et de ce que les gens ont à raconter. Robert était plein d'attention pour Madeleine. Toujours le bon mot. Très, très, très entourant. Affectif. Alors, il donnait l'impression d'un couple extraordinaire. Papa qui t'amenait ton déjeuner. Ben oui, parce que j'avais fait la maladie. Te souviens-tu qu'est-ce que t'avais eu comme maladie, ben, cette fois-là? Une petite grippe de rien du tout, puis il m'avait dit, bouge pas, je vais t'apporter ça, puis moi j'avais été toute excitée de me faire servir mon lit. J'étais comme dans un grand hôtel. Ma mère était fascinée par la vie rurale. Ma mère était fascinée par les gens qu'elle voyait autour d'elle. Et ma mère notait tout. Ma mère observait. Elle observait. Et mon père, qui est avocat, lui rencontrait des gens. Rencontrait des clients. Se faisait raconter des histoires de famille, des problèmes de société. Alors, ça a été un des liens qui les a unis. C'est que ma mère écrivait et mon père était un peu, d'une certaine façon, l'alimentait beaucoup. Il y avait son frère omniprésent, qui était l'écrivain Jacques Ferron. Et Jacques Ferron, quand Madeleine avait eu des velléités d'écrire elle-même, lui avait dit « Louisville, c'est mon fief, tu n'y mets pas les pieds ». Donc, Madeleine ne pouvait pas s'inspirer de Louisville parce que c'était le fief de son frère Jacques. Donc, elle a choisi sa seconde patrie d'enracinement, qui est la Beauce, comme source d'inspiration pour ses premiers livres. Mon père était probablement le plus grand partisan de ma mère comme écrivain. Mon père la stimulait. « Madeleine, il faut que tu écrives. » Et je me souviens, lorsqu'elle a publié son premier livre en 65, qui s'appelait « Cœur de sucre », je me souviens que ça avait été dans la famille toute une fête. Hein? Et mon père était très fier de maman, très fier qu'elle ait publié son premier livre.
Robert est un avocat excessivement brillant, très sérieux, très appliqué à son travail, consciencieux, c'est un professionnel hors pair, c'est un avocat hors pair. Est-ce que ça nuisait à votre profession, de faire de la politique? Non, au contraire, évidemment, ça... C'est pas des cigarettes françaises, merci. M. Pelletier fume des cigarettes françaises qui sont bien mauvaises, d'ailleurs. Merci. Alors, je me faisais des amis, et me faisant des amis, je me faisais connaître. Alors, indirectement, j'amenais de l'eau au moulin, mais c'était pas ma première considération. Ma première considération, c'était que j'aimais faire de la politique. Et par la suite, j'ai toujours continué de façon très active. 35, 40 assemblées par campagne électorale, c'est beaucoup. Mais il y avait ce côté un peu cabotin devant le tribunal. Robert plaidait la grande toge ouverte, les bras en l'air, faisant de l'esbrouf, hein, se tournant souvent vers le peuple, prenant le peuple à témoin, tournant le dos au juge, parce que pour lui, le vrai jugement vient du peuple. Hein. Même que mon père lisait le livre rouge à l'église, puis moi, ça me fatiguait plus, tu sais, que c'est moi que ça fatiguait, tu sais, parce que ben, le petit livre de Mao, là. Il mettait ça dans son missel, puis il lisait ça à l'église. Puis moi, là, ça me scandalisait. J'étais petite, j'allais chez les sœurs, puis je me disais, mon Dieu, s'il fallait que quelqu'un le voie, ça serait terrible, t'sais. Et dès 48, mon père s'est lancé en politique active pour les libéraux. Il était orateur, il faisait des discours partout dans les villages. Est-ce que vous vous considérez comme un bon orateur? Mon Dieu! Disons que je fais du bruit quand je parle. Est-ce que c'est du bruit? Ben, j'essaie de que ce soit un bruit intelligent. J'ouvre. Enfin, est-ce que non. Mais d'habitude. Mais j'aime ça, oui, je vide pas les salles. D'habitude, on juge ça au bruit que fait l'auditoire après que le type a parlé. Oui, ben disons que. Ils en font pas mal. Oui, des fois non. Je suis chanceux, je suis jamais interrompu. Alors, en 65, là, Robert se présente dans la Beauce. On l'appuie, tout ça. Et là, il est battu par un candidat libéral, M. Racine, Jean-Paul Racine de Saint-Honoré, un homme qui était un peu connu, mais c'était la vague libérale. Et ça a été une défaite, je dirais, personnelle, mais une défaite affective aussi, de ne pas avoir reçu un vote de confiance des Beaussons. Mon père était un homme connu, était un homme qui avait beaucoup d'amis. Comme à l'université, il connaissait tout le monde. Ces gens-là avaient vieilli, ces gens-là avaient pris de leur place dans la société. Et il y a séjourné ici, dans cette maison-là, des gens célèbres. J'ai déjà fait une liste, j'étais rendu à 60. Je pense qu'il y a eu ici 4 ou 5 premiers ministres qui sont passés par ici. Ça a l'air un peu incroyable, mais c'est comme ça. Et ma mère, à ce moment-là, était une hôtesse absolument extraordinaire. Elle recevait, dans le sens un peu bourgeois de l'époque. Mon père téléphonait et disait, « Madeleine, je vais avoir pour dîner tel homme politique ou tel juge ou tel ami ou tel homme d'affaires. » Alors, maman recevait, préparait le repas. Le cochon de lait. Et le cochon de lait, oui. À Pâques, maman, ton ouais. Cochon de lait. Mon cochon de lait. Ouais, la tête, les oreilles, le persil, les olives, dans les yeux. Tu voulais qu'on mange la tête, mais tu disais que c'était la meilleure. Le cœur nous levait. Tu disais que c'était la meilleure partie, puis le cœur nous levait. On voulait pas. Acheter Saint-Zacharie, c'était un rêve pour lui d'avoir une terre à bois. Maman l'a aidé dans son projet. Elle adorait elle-même le bois et la nature. Elle nous amenait aux oiseaux, elle nous amenait identifier les fleurs. Puis là, Robert, là, en possesseur, en propriétaire terrien, hein, faisait visiter sa ferme, puis parlait d'abondance, de la faune, de la flore, puis il trônait autour de ça. Ma mère adorait l'équitation. Mon père n'avait jamais fait, mais là, il a fait, à un moment donné, il avait acheté un cheval pour maman. Puis là, maman faisait de l'équitation. Puis lui, ben, il a appris, même s'il était plus ou moins élégant là, sur un cheval, là, alors que maman était très élégante à cheval. Lui, plutôt pâteau, là, mais il en faisait, tu sais. Fait qu'il était...
bien, même si c'est un qui excellait dans quelque chose, l'autre le faisait aussi, mais il s'accompagnait dans tout. Là. Ce qu'ils le font souvent, ils le font avec éclat. Hein? Et leur dissension, leur petite dispute, leur petite chicane, se termine toujours de la même façon. Une grande réconciliation. Robert avec ses grands bras, entoure Madeleine, puis là, il serre la lionne, puis il calme la lionne, tu sais, puis c'était assez touchant. Alors, c'est pas un coup ordinaire. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement attachants. Ça, c'est notre voyage, notre premier voyage important. Oh. Oh, oh. Oh, oh! Autre image suggestive. Voilà. C'était l'époque où les gens fumaient comme des engins. Mon père, moi, dans ses pires années, fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Ça travaillait très dur. C'était des vies de stress, des vies sédentaires. Ma mère faisait bien à manger. Alors, ça mangeait gras, ça mangeait bien. Le départ de Robert, quand Robert est parti, au mois de septembre, c'est arrivé. Robert était malade, avait opéré au printemps pour le cœur. Et puis il savait que ses jours étaient comptés. Il le savait, on lui avait dit. Après l'opération, ses pontages, on lui avait dit que son cœur était fatigué. J'étais venue le voir à l'hôpital, puis il était tellement angoissé, là. Il avait peur de mourir. Là. Il était là. L'horreur pour lui, là, je veux dire, c'était pas... J'accepte mon état, là, puis c'était un mauvais malade, là, tu sais, il se faisait rentrer des cigarettes en cachette. Il chicanait parce qu'il voulait que ce soit un beauceron qui lui donne son bain, puis, tu sais, c'était un patient, là, impatient. Et Robert m'avait dit, notaire, j'aime mieux mourir debout que vivre couché. Alors, c'était pas ménagé, il avait repris des activités. Sa montre bracelet s'est arrêtée à l'heure où Robert est mort, alors qu'elle ne le savait pas encore. Ça fait que, à telle enseigne que j'ai figé, parce que on était tellement liés d'amitié, c'était tellement intime, notre relation, que ça m'a jeté à terre. Ça a été un grand choc pour moi. Elle a pensé après, là, la vie avait comme plus d'importance. T'sais. Pour elle, c'était comme tu t'emputes d'un morceau. Là. Fait qu'il faut que tu réapprennes tout. Là. Fait qu'elle, pour elle, là, c'était comme. Je pense même qu'elle a envisagé des fois de. Elle voyait les poteaux sur la route, puis elle y pensait. T'sais. Nous, on voyait pas, on n'envisageait pas qu'il meure. T'sais, que mon père avait 57 ans, il était en pleine gloire, en pleine force. Il était très estimé, très connu, très célèbre. La commission Cliff venait de se terminer. Il avait fait l'année du français. Alors, pour nous autres, notre père, c'était un homme qui... Après la mort de Robert, elle va passer, je crois, 2 ou 3 ans à Montréal. Mais ce ne seront pas des années très heureuses. Je pense que c'est les années de son deuil. Et c'était un deuil très long à faire. Madeleine était très souffrante dans ces années-là. Ça n'a pas été une épreuve facile à surmonter.